Vous regardez RTL. À qui conseillait-on en guise d'entraînement d'écraser un mégot du pied en s'essuyant le dos avec une serviette? Les danseurs de twist. Pardon, de twist. De tango, non. De twist. Aux danseurs de twist. Oui, 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 oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, oui. Essayez, Chantal, vous allez voir, vous allez twister. Elle va rester, elle va rester coincée, surtout. Et qui n'a pas... Twist, relax. Ah ouais. C'était des années en même temps. C'est un phénomène social, le twist, tout de même. Bah oui, évidemment, tout le monde dansait le twist. Jackie Kennedy, c'était la folie totale du twist. Régime. Il y avait des articles qui sortaient. Le twist, encore plus sauvage que le rock'n'roll. Mais ça a été un grand mouvement. Et c'est les chaussettes noires, Eddie Mitchell. Bien sûr, puis Johnny Hallyday. La leçon de twist, c'est Eddie Mitchell, oui, quand même. C'est vrai. Ah, puis il y a eu Pétu Laclaque. Et twist à Saint-Tropez. Ah oui, Château-Sauvage. Alors Dick Rivers, qui sera l'invité surprise dans 3 jours, parce qu'il a envoyé un communiqué de presse à tout le monde en disant « Je serai l'invité surprise des grosses têtes le 10 ». Non, mais on aime bien Dick Rivers. Bah oui, non, mais franchement, là, c'est dur. Le 10 jours que le 10. Et puis peut-être qu'il enterrera tous les autres. Hein. Oh, mais tiens. C'est un des derniers rockers, quand même. Vous voulez que je vous le fasse? C'est le seul rocker qui chante dans un verre. Allez-y. Dans ma caisse américaine, je suis le plus fort. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est pas mal. Si là, j'avais connu Nice, la baie des anges à moitié nu. C'était magnifique. Il est très bien son duo avec Moby. Moby Dick. Moby Dick. Ça pourrait marcher. Bon, écoutez, en tout cas, je sais pas. Non, mais à partir du moment où il a annoncé le jour où il venait, ça devient plus un invité mystère. Bah, qu'est-ce qu'il fallait, si ça l'ennuie. Non, mais c'est magnifique, Laurent. Il faut honorer ça. Mais oui. Il faut que tous les chroniqueurs fassent semblant de ne pas savoir que c'est lui. Et il sort jamais. Vous et allez vivre un très grand moment de radio, ne vous en privez pas, Laurent. Il faut quand même savoir qu'en français, Dick Rivers, ça veut dire Bit Rivière. Oui. Bit Rivière, quand même. Ça s'invite, non, grosse tête. Ou alors, on est les petites bourses. Non, mais moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'inviter. Il faut dire à toutes les grosses têtes de ne jamais le trouver, il ne sort pas de la loge. Voilà, c'est ça. Ça, c'est plus rigolo. Et du coup, on passe au journal, on n'a pas trouvé, c'est pas grave. Et puis voilà. Chiche. Ah ouais, c'est pas mal.